Bon, revenons sur cette vidéo qui a fait pas mal de personnes frustrées, de personnes qui ont la rage, bah ouais, vous avez trop la rage, entre guillemets. Moi, je vais vous dire un truc, de là à dire que c'est du racisme, de l'appropriation culturelle, etc., etc. Moi, déjà, je vais vous expliquer une chose. Il faut savoir qu'on est en France, pour commencer. Et qu'en France, on a la liberté d'expression, ok? Les trois règles d'or de la France, c'est quoi? Rappelez-moi, liberté, égalité, fraternité. Liberté, je dis ce que je veux, j'aime ce que je veux, pour commencer. Égalité, bon, égalité homme-femme, on va dire que bon, c'est pas trop ça. Et fraternité, que un pour tous, tous pour un, en fait. On est tous mélangés, donc faut arrêter de vous-même être raciste dans les commentaires, parce que moi, j'ai eu aucun propos racial dans ma vidéo. J'ai juste dit que oui, mon style d'homme était plutôt les renois, tout simplement. Et que les blancs et les rebeux, ce n'était pas mon style en gros. Même si je ne l'ai pas formulé comme ça, mais on va dire en gros. Désolée. En gros. Et de là, je vois quoi? Appropriation culturelle. Alors, déjà, il faut savoir que je suis d'origine portugaise, donc j'ai des origines latines. Mon fils, oui, parce que je suis vraiment. Ceux qui savent pas, mon fils est portugais, martiniquais, ivoirien. Ok, son père était un martiniquais, ivoirien. J'ai été en Côte d'Ivoire pendant les vacances. Enfin, ma belle famille, je les aime trop d'amour. Et oui, on peut me croiser en pagne chez moi. Oui, je fais des tresses, genre des longues tresses, des braids, etc. Oui, et alors? Enfin, c'est pas parce que je suis comme ça ou j'ai des expressions africaines que forcément c'est de l'appropriation culturelle. On va pas dire, je sais pas, une femme africaine qui met des perruques lisses, ah, elle s'approprie la culture européenne. Bah non, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, chacun aime ce qu'il veut. Parce que, un autre point, je suis désolée, hein, mais pour ceux qui sont dans les commentaires là, j'aurais dit que j'aurais aimé les blancs. Vous auriez été tous en force, ouais. J'aurais dit que j'aurais aimé les rebeux. Vous auriez été tous là. Ah là là, je suis trop content. Ouais, les rebeux. Ouais. Et là, parce que je dis que j'aime les renois, que les renois, c'est mon style d'homme, ça dérange. Ah bon? Ça dérange. J'ai même vu un commentaire qui dit quoi? Ouais. Alors elle, elle renie sa race pour un singe. J'ai déjà mon petit whitos là. Je vais t'expliquer quelque chose. Déjà, on dit pas race pour commencer. On dit ethnie. Donc déjà, on va remettre les choses dans le contexte. Et pour un singe, pardon. Pardon. Déjà, je vais t'expliquer un truc si tu sais pas, mais tous les hommes sur Terre, tous les hommes, déjà on descend de l'Homo sapiens et l'Homo sapiens descend de quoi? Du singe. Donc déjà, je sais pas si t'es concentré à l'école ou pas, mais bon, je vais faire une partie 2.